Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue à notre live prophétique de ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour un jour de plus. Partagez là où vous êtes avant que nous puissions aller plus loin. Partagez le live dans les groupes, dans différents groupes, dans WhatsApp. Nous sommes sur live déjà. Comme le dirait Boketu Bokoto Bokoto. Bokoto Bokoto. Te bandit déjà. Nous devons commencer notre live. Et écrivez si vous pouvez m'entendre. Comme ça, nous allons savoir par rapport au son. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez le son de la mélodie? Mais partagez le live. Je vois Princesse qui est connectée. Que Dieu te bénisse abondamment. Glory Stone, que Dieu te bénisse abondamment. Merveilleux. Bokoto. En tout cas, que tous ceux qui se connectent, connectez-vous davantage. Le volume est trop bas. Ok, quelqu'un écrit le volume est trop bas. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Grâce, que Dieu te bénisse. Le son est trop faible. Ok. D'autres personnes disent c'est parfait. On va essayer d'ajuster. Écrivez progressivement, je parle. Dites-nous dès que le volume est bon. Mais partagez le live. Invitez un plus grand nombre de personnes. Nous allons prier ensemble. Nous allons partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant quelques instants. Mais nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier selon que le Seigneur va nous conduire. Est-ce que vous m'entendez? Le volume est bon. Le volume est bon. Là, c'est bon. Ok. Là, c'est bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup, merci à tous. Partagez le live à un plus grand nombre, partagez le live. Je suis en train de suivre les commentaires pour me permettre d'interagir avec nous. Partagez le live dans les groupes, partagez. Et nous allons commencer notre prière. Là où vous êtes, c'est une atmosphère d'intercession, une atmosphère de prière. J'aimerais que si vous pouvez rester dans un endroit où il n'y a pas de bruit, où vous pouvez rester seul. Soyez seul, nous allons prier. Si vous pouvez être en groupe, en famille, nous allons prier. Le Seigneur aujourd'hui va vraiment, nous allons couler dans la prière et dans le prophétique. Et nous allons partager un peu la parole de Dieu pendant un temps, peut-être progressivement. Mais nous allons couler vraiment que le Seigneur va le permettre. Alors connectons-nous et prenons position pour écouter la voix et la parole de l'Éternel. J'aimerais que partout où nous sommes, que nous puissions nous connecter avec ce qui se fait ici par les biais des ondes, de la technologie. Nous allons élever nos voix. Partout où vous êtes, aidez-moi à accueillir le Saint-Esprit. Aidez-moi dans vos maisons, dans votre bureau, dans vos chambres. Je vois quelqu'un qui est dans sa chambre. Tu viens d'entrer. En fait, tu as ton téléphone, tu étais au salon, tu viens d'entrer dans ta chambre. Et alors que je parle, tu es en train de t'asseoir. Et tu es en train de nous suivre maintenant là en live. Je voyais même que tu as des babouches, mais des babouches c'est une femme. Parce que je vois les babouches comme des trucs des femmes là. Oh bah là, on va pongi. Alors le Seigneur, partout où vous êtes, dans vos chambres, dans vos maisons, aidez-moi à accueillir la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est avec nous. Et le Saint-Esprit va nous faire beaucoup de bien. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Daddy, we thank you. Lada bla de varas. Nous sommes dans une atmosphère de prière, donc partout où vous êtes, connectez-vous et nous prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Legadabla Hasula. Je crois fermement que par la connexion, par les ondes de la technologie, par le live, là où vous nous suivez, la puissance et la présence de Dieu peut vous arriver. La puissance de Dieu peut vous atteindre. Connectez-vous, le Seigneur est avec nous. La de bladivaras. Oh salanon daliba da. Kaladaba shuta bladiva. Moi je crois en parler en langue. Si tu parles aussi en langue, tu peux prier en esprit. Mais si tu ne crois pas en langue, ou si carrément tu ne parles pas en langue, dis simplement merci Seigneur. Merci pour ta grâce, ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es là. Nous ne venons pas au-devant d'un homme, mais nous nous approchons de celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Songro gilos hefali dadasha. Father, we thank you.
Father, we thank you. Father, we thank you because we believe. You have called us, tu nous as appelés afin que nous puissions passer ces instants avec toi. Tu nous as appelés afin que nous puissions marcher et passer ce temps avec toi. Tu nous as appelés aujourd'hui afin que notre vie ne soit plus les mêmes. Tu nous as appelés ce soir afin de passer du temps dans ta présence. C'est un privilège que de te connaître, mais bien plus, c'est un privilège que de passer du temps avec toi. Voilà pourquoi David a dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel » parce qu'il sait et il reconnaît qu'il y a une très grande gloire, une très grande faveur dans la présence de Dieu, dans la présence du Dieu vivant. « Mandele kulaba shata, menenemo sayagadila, lebladeva hasula pledega » Nous avons beaucoup de raisons pour être reconnaissants envers le Seigneur. Nous avons des raisons parce que nous sommes vivants aujourd'hui, c'est une raison suffisante pour dire « Seigneur, merci ». Le fait que nous sommes vivants est suffisant pour dire merci. Au-delà d'être en vie, tu as la capacité de parler, tu peux voir, tu as tes cinq sens. Nous ne sommes pas ingrats au Dieu, nous ne voulons pas être des ingrats. On peut manquer des choses aujourd'hui, c'est vrai que toutes nos prières ne sont pas encore exaucées, mais nous te faisons confiance. C'est vrai que toutes nos prières ne sont pas encore exaucées, mais nous te faisons confiance. Là où vous nous suivez, écrivez dans les commentaires, mettez des cœurs pour que notre live puisse avoir un plus grand impact sur les réseaux sociaux, mais aussi inviter, taguer les personnes avec qui nous allons prier ensemble. Dis merci à Dieu pour ta famille, dis merci à Dieu pour tes enfants si tu en as. Si tu en aspires, dis à Dieu merci parce que tu me donneras des enfants. Dis merci à Dieu parce pour les choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des prières qu'on a faites, il y a des prières que nous prions depuis des années, des mois, des semaines, des jours, des heures. On n'a pas encore vu l'accomplissement, l'exaucement. Mais nous croyons que Dieu est fidèle. Nous croyons que Dieu est capable. Nous croyons, notre foi ne change pas. Juste cette chanson. Te nabungi sa e likia. Te Nabungi sa e likya konzima nangai etangwa na yote kolo zambe nangai. Que notre foi ne puisse pas être affaiblie. Je vais encourager quelqu'un d'entrée de jeu, que ta foi, ne laisse pas ta foi être affaiblie par ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas. Ne laisse pas ta foi être affaiblie par les choses auxquelles tu t'attends à l'Éternel, mais que tu n'as pas encore vu. Ne laisse pas que les circonstances affaiblissent ta foi. Nous sommes en train de vivre des temps périlleux. Nous sommes en train de vivre des temps de complications. Il y a beaucoup de problèmes, mais que notre foi reste sur la personne de Jésus. Si tu as mis ta foi en choses matérielles, tu perdras ces choses et ta foi partira. Si tu as mis ta foi sur les choses que Dieu peut te donner, s'il tarde, ça va affaiblir ta foi. Si tu as mis ta foi sur les choses que Dieu peut te dire, s'il ne dit rien, ça affaiblira ta foi. Mais si tu mets ta foi en la personne de Jésus, il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire que ta foi reste solide, reste figée sur la personne de Jésus. Que notre foi soit bâtie sur ce qu'il est, pas sur ce qu'il fait, pas sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il est. Ce soir, j'aimerais que là où tu me suis, de soir ou matin, que la présence de Dieu affecte ta vie afin que tu ne puisses pas être la même personne. Oh, shalabladaga. Yeah, shalabladaga basata. Mandele bloso prudaga elikia te nabungisa elikia kondimana ngai itangana yote kolo lubiko nangai que la bladivla hachola blidavias. On va prendre 4 minutes d'intercession. Mendele bladivaha sola pedega. Kadabaha shule blagiva sele padegaza kaloto. Mekezotele paladozega. Mekalizo godo broshalaga devle. Nige de bla uzaneganto kera mangre givaha sete. Que Dieu te bénisse là où tu nous suis. Que la présence de Dieu soit avec toi. Que la puissance de Dieu te touche. Toi qui es malade, j'aimerais que tu sois en attente d'une guérison miraculeuse.
Toi qui as des problèmes de santé, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, sois en attente, sois en attente, sois en attente. La présence de Dieu va te toucher. La présence de Dieu va t'affecter. Si tu as quelqu'un de malade à côté de toi, laisse-les être connecté dans cette atmosphère. Quelque chose va se passer, quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant. Je vois la main de Dieu toucher les malades. Je vois la main de Dieu toucher les malades. Je vois quelqu'un qui a des douleurs au niveau du cou. Je vois comme des douleurs au niveau du cou que le Seigneur est en train de guérir. Des douleurs au niveau du cou. Je vois quelqu'un, je ne sais pas si c'est parce que tu as mal dormi, mais c'est depuis quelques jours, deux jours ou aujourd'hui, mais ce n'est pas très longtemps. Je vois des douleurs au niveau du cou que le Seigneur est en train de guérir. Que la puissance du Saint-Esprit guérisse les malades ce soir. Nous croyons que le Saint-Esprit peut toucher les vies. Nous croyons que le Saint-Esprit peut affecter ta vie ce soir. Et salata baba baba shada. Logo doblo dobla divara sete. Il y a des gens qui ont soif de voir la main de Dieu, d'être impactés par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu est en train de visiter son peuple ce soir. Lopla de vlagia. Yes, Lord. Oh, et la blachada blaga. La Santa Maga. Oh, tu remplis les cieux, Adonai. Oh, Kalablada Brada Shadada. Oh, yes. Adonai. Lola brade bladiza la hasata. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. J'aimerais lire un texte biblique. Nous allons partager un peu la parole de Dieu. Et nous allons continuer dans l'intercession prophétique. Mais pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelqu'un que le Seigneur est en train de toucher. Et la personne que je suis en train de voir, on t'appelle aussi Dela, je ne sais pas, mais Dela, ce n'est pas comme si c'est, ce n'est pas ton nom, mais c'est comme un sobriquet, on t'appelle aussi Dela, Dela. J'ai vu le Seigneur, j'ai vu comme dans un flash, le Seigneur Dieu affecter cette personne. Dela. Et alors que le Seigneur est en train de toucher cette personne, pourquoi Dieu est en train de me montrer dès là? Je suis en train de voir comme à l'est du pays. Je suis comme à l'est du pays. Je ne suis pas à Kinshasa. Je suis en République démocratique du Congo. Mais c'est quelqu'un qui nous suit depuis l'est du pays. Tu t'étais connecté, tu t'es déconnecté. Avant de continuer sur dès là, il y a quelqu'un qui va nous suivre en rediffusion. Le Seigneur me montre quelqu'un qui va nous suivre en rediffusion qui s'appelle Naomi. Mais qui va nous suivre plus tard, c'est pas cette nuit, demain, mais pas après-demain. Qui s'appelle Naomi. Tu as commis un accident et ça a laissé ta jambe avec comme un petit défaut. Mais le Seigneur veut guérir cela. Dès là. Yes, Lord. Et la personne que je vois, je suis en train de voir comme à l'est du pays. Cette personne que je vois, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. D'ailleurs, je vois que tu sers déjà même Dieu, mais tu ne sers pas encore Dieu totalement. Parce que je sens de voir même comme un conflit au niveau de l'église. C'est comme si tu voulais même quitter une communauté. Je ne sais pas si c'est l'église ou c'est un groupe, mais c'est comme un groupe. C'est comme des gens avec qui tu es souvent, mais que tu voulais quitter. Mais le Seigneur me dit de te dire, ne quitte pas. La saison dans laquelle tu traverses, c'est une saison où, je vois, alors que nous parlons, je vois que tu es né en juin. Je vois que tu es né en juin, dès là. Je parle de Daniela. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a Dela et Daniela. Je suis en train de voir l'est du pays. Kobashadaga. Le Seigneur est en train de me dire que l'esprit de découragement est en train de vouloir s'emparer de toi. Mais il y a une faveur de l'Éternel sur ta vie. Pas possible. Parce que je vois que dans ta famille, vous n'êtes pas nombreux. Je vois que de ton père et de ta mère, vous n'êtes pas nombreux. Et je suis en train de voir même que il y a l'esprit de la mort qui a sillonné ta famille il n'y a pas très longtemps. Tu es né en juin, au début de juin.
Tu es né le 2 juin, le 2 ou le 3 juin, le 2, je vois 2. Donc je crois que c'est le 2 juin. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une grâce de Dieu sur toi. Il y a comme une onction de l'Éternel sur ta vie. Il y a comme une grâce de Dieu sur ta vie. Et Dieu est en train de visiter ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur insiste dans mon esprit que cette nuit, c'est la nuit de ta visitation. Dès la Daniela. Père, affecte-nous aujourd'hui. Fais-nous du bien aujourd'hui, dans le nom de Jésus. La plazo gadibla hazo katiria bahasa. Korabasata baradaya. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Habakkuk. Je vais lire un texte dans Habakkuk. Je vais lire un texte dans Habakkuk rapidement. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1er. Je vais expliquer la nécessité. Ce soir, mon exhortation sera sur la nécessité des sentinelles. La nécessité des sentinelles. Pourquoi il faut des sentinelles? Pourquoi il faut des sentinelles? Pourquoi nous sommes dans un temps où... Nous sommes dans un temps où il faut des sentinelles. S'il n'y a pas de sentinelles, nous sommes en danger. Habakkuk chapitre 2, le verset 1er, la parole de Dieu déclare, « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. » L'Éternel m'a répondu et a dit, « Mais la vision par écrit, grave-la sur des tablettes afin que l'on la lise couramment. » En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La première des choses qui attire mon attention dans ces textes, c'est le fait que le prophète est en train de parler d'un positionnement, d'une position qu'il doit garder afin d'écouter la voix de l'Éternel. On parle des sentinelles ce soir. Je vais reparler en quelques mots des sentinelles. Pourquoi nous parlons des sentinelles? C'est qui une sentinelle? En anglais, on les appelle aussi des watchmen ou encore des watchers. Généralement, quand on a une sentinelle dans une parcelle, la sentinelle n'est pas utile pendant la journée. Pas grand-chose. La raison pour laquelle on cherche des sentinelles, c'est pour protéger la maison pendant que les autres dorment. Parce que le rôle d'une sentinelle, c'est de veiller. C'est de veiller. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit une chose aux disciples. Il leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. En d'autres termes, il était en train de les identifier déjà comme des sentinelles. Et la sentinelle n'est pas importante dans la journée aussi qu'il est importante dans la soirée. C'est la nuit, c'est pendant les moments de ténèbres, c'est lorsqu'il y a la panique, la peur, qu'on a besoin des gardiens qu'on appelle des sentinelles. C'est lorsque le monde est dans un chaos, lorsque le monde traverse des moments de troubles, lorsque nous sommes dans des incertitudes, qu'on a besoin des sentinelles. La sentinelle est quelqu'un qui contrôle des sphères. C'est un gardien d'un territoire. Dans le monde spirituel, il y a des dimensions. Il y a ce qu'on appelle des dimensions, des sphères spirituelles. Dans ces dimensions, il y a des civilisations, il y a des entités, des êtres, des esprits, des anges, il y a des démons. Le monde spirituel est vague, mais les sentinelles sont ceux qui préservent des territoires. Quand Dieu établit une sentinelle dans une famille, c'est que lorsque tout le monde dort, toi tu ne peux pas dormir. Lorsque le sommeil spirituel attrape tout le monde, toi tu ne peux pas plonger dans un sommeil spirituel. Parce que tu es une sentinelle. On a des sentinelles dans les familles. C'est sentinelles sur les gens. On a pourquoi la Bible dit lorsque Caïn a tué Abel, Dieu vient poser la question à Caïn pour dire, Caïn, où est ton frère? Caïn répond, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et donc, il voulait dire en d'autres termes, je ne suis pas sa sentinelle. Je ne suis pas... Qu'est-ce que Dieu voulait nous faire comprendre? C'est qu'il est possible que tu sois sentinelle de ton frère. Il est possible que tu sois sentinelle d'une famille, sentinelle d'un quartier, d'une commune, d'un territoire, d'une ville, d'un pays et des nations. Mais tu peux aussi être sentinelle des dimensions dans les sphères spirituelles. Lorsqu'une personne commence à devenir sentinelle dans les dimensions spirituelles, il n'est plus seulement sentinelle, mais il devient gérant, il devient custodien. Il devient un gérant. Il devient ce qu'on appelle principauté. Les principautés sont simplement des gérants des dimensions
céleste et terrestre. J'aimerais expliquer quelques mystères pour que vous puissiez comprendre vraiment pourquoi on a besoin des sentinelles. Nous sommes dans une génération où les gens sont en train de tomber. Le temps dont on a prophétisé, que le temps de la fin, il y aura des moments de mauvais jours, il y aura des problèmes, c'est le temps dans lequel nous vivons. Le temps de la fin aujourd'hui, le monde est dans le noir, nous sommes assombris. Regardez dans le monde entier, il y a les guerres, il y a les menaces de guerre mondiale. Nous sommes dans la peur. On ne sait pas si demain on va survivre. C'est la nuit. Or Jésus-Christ avait dit avant de partir, laissez-moi travailler pendant qu'il est jour, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Parce que la nuit, ce n'est pas pour tout le monde, la nuit c'est pour les sentinelles. La nuit c'est lorsque les sentinelles des quartiers se réunissent. Ils se rencontrent la nuit, le soir, quand le chef et tout le monde dort, c'est quand eux sont là à l'extérieur pour parler. La nuit c'est lorsque les esprits qui surveillent les territoires sont éveillés, la nuit. Et parce que nous sommes pendant la nuit, ce n'est pas à tout le monde de travailler, il faut les sentinelles. Une parcelle sans sentinelle est une parcelle en danger. Un territoire sans des sentinelles. L'un des grands ministères qui est négligé aujourd'hui, c'est le ministère des sentinelles. C'est le ministère des intercesseurs. Aujourd'hui, tout le monde, l'un des grands péchés des sentinelles, c'est que les sentinelles ont quitté l'intercession pour aller prêcher sur les chairs. Lorsque une sentinelle quitte son poste, il y a un danger. Voilà pourquoi Habakkuk dit ceci. Il dit, je resterai à mon poste. Je reste à mon poste. Une sentinelle ne quitte pas son poste. Lorsqu'une sentinelle quitte son poste, il met toute la maison qu'il garde en danger. J'aimerais d'abord que tu écrives dans les commentaires, je suis une sentinelle. Écris si tu me suis. Écris, je suis une sentinelle. J'aimerais expliquer quelque chose sur les sentinelles. Nous sommes une génération où on a plus besoin de sentinelles que de ceux qui prêchent sur la chair. D'ailleurs, Paul a dit, ne soyez pas pressés à enseigner, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'enseigner. Mais le seul ministère là où on a besoin de plus de gens, c'est les sentinelles, les gardiens. Où sont les gardiens des hôtels? Où sont les gérants des territoires? Aujourd'hui, les sentinelles ont laissé leur poste. Habakkuk a dit, je resterai à mon poste afin de voir ce que Dieu va me dire. Oh my God. Et il dit, Dieu va parler, mais moi je vais voir. Ça c'est une dimension dans le prophétique d'interprétation de la voix de Dieu par la vision, la transmission et la réception. L'émetteur et le récepteur. De la configuration de l'esprit de la sentinelle qu'on appelait Habakkuk. Lorsque Dieu parle, lui voit. Mais afin d'écouter la voix de Dieu, il doit être à son poste. Rappelez-vous Samuel, lorsque Dieu l'appelait, lorsqu'il quittait la position où il était, il allait vers Élie, il n'écoutait plus la voix. C'est comme ça que Élie lui dit, rentre à ton poste. Parce que Dieu ne parle pas partout. Une sentinelle ne peut pas écouter Dieu partout. Il y a un lieu qu'on appelle l'intercession. C'est là où Dieu parle. Aujourd'hui, Dieu ne parle plus aux hommes, aux enfants de Dieu, parce qu'on a tous quitté l'intercession pour aller prêcher. On a tous quitté l'intercession pour aller là où on ne doit pas aller. On a laissé des choses. Mais où sont les sentinelles? Où sont les sentinelles? Où sont les sentinelles? Il y a des gens qui sont devenus des sentinelles à cause de leur consécration. Lorsque tu te consacres à Dieu, après un temps, tu deviens sentinelle. Il y a des gens qui ont l'appel que pour prier, pour rester à l'intercession. Tu n'es pas appelé à prêcher. Tu peux recevoir des révélations, mais ça doit t'aider dans la dimension de la prière. Vous savez que toute révélation que quelqu'un reçoit n'est pas à partager. Parce qu'il y a des révélations qui ne te serviront que dans tes moments de prière. La raison pour laquelle beaucoup de révélations sont prêchées, mais ne transforment pas des vies, c'est parce que le lieu d'application de ces révélations, ce n'est pas sur les chairs, mais c'est dans le lieu de prière. Il y a des dimensions avec Dieu que tu reçois, où tu reçois une révélation, cette révélation devient la porte qui te capule, qui te propulse dans une expérience quelconque. Il y a des gens, je vois des fois des gens qui enseignent des choses ou qui parlent des choses qui ne peuvent pas produire. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des choses à enseigner, ce sont des choses à emmener dans le lieu secret. Des choses ce sont des clés, des portes spirituelles qui ouvrent les dimensions où tu deviens gardien et gérant. Les révélations que nous recevons de la part du Seigneur, il faut les filtrer. Parce qu'il y a, dans la dimension d'une sentinelle, il y a ceux qui ont l'appel pour ces choses. Il y a un homme que j'aime beaucoup dans l'histoire de l'église, il s'appelle Daniel Nash.
il était un pasteur, il prêchait, mais on l'a chassé de l'église. On a dit non, toi, ton style de prédication ne nous aidera pas. Alors quand on l'a chassé de l'église, il est devenu un frère simple. Alors, il a décidé de commencer à prier. Il a dévoué sa vie à l'intercession. Ayaba. L'homme là, Daniel Nash, c'est lui qui était le monsieur derrière Charles Finney. Tout ce que vous connaissez de Charles Finney, les réveils de Scotland, c'est Daniel Nash. Il pouvait partir prier dans la forêt pendant des jours et des jours. Lui préparer le territoire avant que Charles Finney ne vienne. La raison pour laquelle beaucoup de nos évangélisations, même dans les rues, deviennent simplement des moments d'invitation au culte, c'est parce qu'on ne prépare pas ça. Il n'y a pas des sentinelles qui contrôlent des territoires, qui peuvent aller avant, dévancer par leur esprit dans les territoires, se déployer et travailler les esprits de ceux qui devront écouter la parole. Daniel Nash a prié. Il est mort en train de prier, imaginez. Il est mort en train de prier. Par moments, on dit même qu'il priait jusqu'à ce qu'il le sang coulait de ses narines. C'était un homme de prière. Si seulement on disait que non, il y a quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, lui c'est un athéiste, il dit moi je vais le convertir. Pas en allant le prêcher, mais il va prendre son nom, il part en prière. Il prie jusqu'à ce que cet homme-là va se repentir. Où sont les sentinelles? Tout le monde veut prêcher. Où sont les sentinelles? Où sont les sentinelles? Où sont ceux qui diront, nous voulons rester, nous voulons rester, nous voulons rester là où nous pouvons écouter la voix de l'Éternel. Et nous allons alors communiquer avec les autres. Je vois dans les commentaires, quelqu'un écrit, le volume est bas. Où sont les sentinelles? Tout le monde veut, aujourd'hui, pourquoi le problème, c'est que tout le monde, nous voulons prêcher? Parce que nous voulons tous être vus. Nous voulons tous la notoriété. Aujourd'hui, nous faisons le ministère comme, nous sommes comme des célébrités. Nous voulons être célèbres. Jésus-Christ n'était pas une célébrité. Il nous a appelés à convaincre les gens. Il ne nous a pas appelés à devenir... Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, tout ce qu'on connaît d'eux, ce sont les belles vestes. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, tout ce qu'on connaît d'eux, ce sont les véhicules dans lesquels ils conduisent. Mais c'est où l'impact? Parce qu'il y a moins de sentinelles. Et les églises, les ministères ne tiennent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de sentinelles. Lorsque les forces de l'enfer libèrent les puissances contre l'église, ceux qui reçoivent les premiers coups, ce sont les sentinelles. Où sont les sentinelles? Où sont les sentinelles? Ce n'est pas un travail facile parce que tu donnes ta vie. Une sentinelle, c'est un intercesseur. Un intercesseur, c'est celui qui est entre deux dimensions. Tu te tiens entre le ciel et la terre. Gabriel est aussi une sentinelle. Il a dit, je suis Gabriel, celui qui se tient devant l'Éternel. Il reçoit le message pour délivrer. C'est une sentinelle. Il doit écouter qu'est-ce que Dieu dit. Où sont les gens qui écoutent clairement Dieu? J'ai vu récemment ici, je donnerai mon point de vue, avant, si je n'oublie pas, avant la fin de ce culte. J'ai vu récemment l'homme de Dieu, Espérance Mbakad, il a posté par rapport à ce qui se passe avec la reine Elisabeth et l'arc-en-ciel. Il pose des questions aux prophètes, aux hommes de Dieu. Interprétant ces choses, on n'arrive pas à interpréter. Pourquoi? Parce que on est trop habitué à lire, à être public. On passe moins de temps dans le secret. Alors on ne connaît pas les mystères des choses secrètes. On ne connaît pas les esprits qui partent. Qu'est-ce que ça représente? Une personne comme la reine Elisabeth, sa présence sur la terre, et son pas, le fait qu'elle est partie, ce ne peut pas être juste comme un commun des mortels. Elle représente quelque chose. Et sa venue, tout comme son aller, est une interpellation, est un message pour l'Église. Je donnerai mon point de vue avant la fin de ce live. Par rapport à ce qui... Pourquoi l'arc-en-ciel? Alléluia. Je suis une sentinelle. Aujourd'hui, nous voulons tous être là-bas, là où tout le monde acclame. Mais est-ce que vous savez que même pour tenir devant les gens, il faut d'abord tenir devant Dieu en prière? J'aimerais que quelqu'un qui me suit aujourd'hui ressente, j'aimerais que je prie que Dieu, au-dessus de tout ce qui se passera ce soir, que Dieu place en toi un désir ardent de rester dans sa présence. S'il vous plaît, ne quittez pas vos postes. Habakkuk a dit, je reste à mon poste et j'attends. Le péché des sentinelles, c'est de quitter leur poste. La Bible dit, il y avait ceux qui étaient en train de gérer des territoires, des champs. Et ils travaillaient dans le champ, la nuit. Mais pendant qu'ils sont allés dormir, l'ennemi est venu mettre livré. Pourquoi le maître a dit, n'enlevez pas livré maintenant? Parce que livré ressemble tellement à la bonne sémence
que si on enlève l'ivraie, on risquerait d'enlever même la bonne sémence. Alors, il faut atténuer. Il dit, laissez-les croître. La pensée de Dieu, ce n'est pas que l'ivraie soit avec la bonne sémence. Mais si l'ivraie est entrée dans le champ, c'est parce que les sentinelles sont allées dormir. Alors, parce que les sentinelles dorment, alors l'ennemi est venu placer l'ivraie. Beaucoup de gens ont vu leur vie. Tu t'es réveillé le matin, tu as retrouvé des éléments dans ta vie que tu n'as pas plantés la journée. Avant de dormir, tu n'as pas laissé les problèmes que tu as trouvés le matin. Pourquoi? Parce que pendant que tu dormais, c'est lorsque l'ennemi vient planter. Le sommeil spirituel est dangereux. Et le problème avec l'église, c'est quoi? Parce qu'on attend le sommeil pour réveiller les gens. Or, avant que le sommeil ne vienne, il y a ce qu'on appelle le somnolement, les éléments qui annoncent le sommeil. On voit déjà que les gens s'affaiblissent, la foi s'affaiblit. On ne veut plus prier. En passant, j'ai lu quelqu'un ou j'ai entendu quelqu'un dire, au Congo, on prie trop, on n'a pas besoin de prière. Hein? Vous connaissez c'est quoi la prière? Pourquoi nous devons prier? Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça c'est un insensé. Parce que si nous tenons encore aujourd'hui dans ce pays, c'est d'abord à cause de la prière. Qui peut vivre sans la prière? On ne prie pas pour demander à Dieu des choses. On prie d'abord pour subsister et pour se maintenir dans les dimensions spirituelles. Le problème est que beaucoup de chrétiens, même des chrétiens ou même des hommes, ne sont pas représentés valablement dans les dimensions spirituelles. Voilà pourquoi vous pensez que la prière, c'est seulement quand tu demandes à Dieu. Ça, ce n'est même pas ça, l'essence même de la prière. La prière, c'est la communication avec le monde invisible. Si vous voulez que les églises ferment, on ne prie plus. Fermez aussi les loges des magiciens, parce qu'eux aussi prient. La prière, c'est ce qui permet un contact avec le monde spirituel. Ça permet la passation des esprits sur la terre. Alors, que ce soit des bons esprits, des mauvais esprits, nous tous nous prions. On ne va pas arrêter de prier. Parce que si nous, vous voulez que nous puissions arrêter de prier, mais eux, ils n'arrêtent pas de prier. Pourquoi? Où sont les intercesseurs? La Bible dit dans le livre de Rois, il y avait une femme qui avait accouché son enfant, son beau bébé, son joli bébé. Moi, si on a 9 mois, kangi mutema, anyo kwama, ma kole vimbie, akanga mutema, poanine, moana botama. 9 mois de souffrance. Elle a son enfant, mais une nuit à cause de la fatigue, une nuit elle dort. Et pendant qu'elle dort, elle se réveille le matin. On a déjà échangé son enfant. Combien de destinées ont déjà été échangées comme ça? Tu as souffert pour ce travail, tu as souffert pour ces études, mais à la fin, on t'échange ça. Et puis, pourquoi on échange? Parce qu'elle dormait. Je me pose la question, comment on peut enlever un enfant dans les seins d'une mère en train de dormir? Elle ne réalise pas. On met un enfant qui ne respire pas, elle ne réalise pas. C'est qu'elle était dans un sommeil profond. Le sommeil peut arriver à tout le monde. Tu peux somnoler, mais ne dors pas profondément. Ne permets pas au problème de la vie de t'endormir spirituellement. Parce que des destinées sont échangées pendant que nous dormons. Où sont les sentinelles? Une mère ne peut pas dormir profondément, sachant que son enfant est aussi endormi. Une maman qui allaite, quand elle dort, elle a un œil et une oreille attentif auprès de l'enfant. Mais on échange des destinées, on échange des vies parce que nous dormons profondément. Il y a des gens qui étaient destinés à des grandes choses. Ton nom même était déjà classé pour que tu puisses accéder à la royauté ou même à ce que Dieu a promis. Mais au lieu de prier, tu dors. Et pendant que tu te réveilles le matin, on a déjà enlevé ton nom la nuit. Pourquoi on a enlevé ton nom? Parce que quand l'esprit doit venir accomplir les choses, il ne trouve pas le soutien que la prière donne. Alors les sentinelles ne sont pas là et l'ennemi peut entrer et changer le nom. Beaucoup de gens ont vu les promesses de Dieu partir comme ça. Habakkuk a dit, je resterai à mon poste. On a besoin des intercesseurs parce que les sentinelles, les intercesseurs, c'est eux-mêmes qui sont des régulateurs des atmosphères. Chaque atmosphère spirituelle dans un territoire est causée par les prières des sentinelles. Il y a des territoires où nous allons, on prêche difficilement parce qu'il n'y a pas eu d'intercesseurs. Il n'y a pas eu de sang qui ont coulé sur ce territoire par des hommes qui prient. Il y a des endroits où on part prêcher facilement parce qu'il y a des hommes avant nous qui ont payé le prix de la prière. Ils sont devenus des régulateurs, ils ont réglé l'atmosphère. Et ceux qui viennent après eux voient la facilité. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de chercher des sentinelles. Oh Dieu, élève dans cette génération des sentinelles, des hommes et des femmes qui ont le fardeau des nations, le fardeau des âmes, alors que tu reviens bientôt. Donne-nous d'avoir le cœur de la prière. Réveille encore le feu de la prière. Le feu de la prière. Je ne sais pas pourquoi, mais je parle à quelqu'un aujourd'hui. Les sentinelles. Où sont les sentinelles?
J'aimerais que tu écrives encore, je suis une sentinelle. Le péché des sentinelles, c'est de devenir des pasteurs. Il y a des sentinelles qui ne doivent pas devenir des pasteurs, mais qui sont devenus des pasteurs. Parce que tu pries, tu vois des résultats dans, dans ta famille, tu te dis, oh, bande d'église, c'est une erreur. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 6. Yes. Colabla devadia. Dans Genèse 6, la Bible dit, il y a des fils de Dieu qui sont descendus. Et je commence à te rire. Nous devons prier. Je sens dans mon esprit l'esprit de la prière. Alléluia. Yes, Lord. C'est aussi un autre mot qui est utilisé pour parler de sentinelle. En d'autres termes, ils ont quitté leur demeure. Pierre même explique ça en disant que Dieu n'a pas pardonné les anges qui ont quitté leur demeure. Ils ont abandonné leur position. Le plus grand péché d'une sentinelle, c'est quitter ton poste. Ne laisse pas ton poste. Même quand il fait froid, équipe-toi comme il le faut pour te protéger. Mais reste à ton poste. La sentinelle est celui qui avertit le danger. La sentinelle est celui qui aperçoit le danger. La sentinelle est celui qui prévient ceux qui sont à l'intérieur qu'un danger arrive. Voilà pourquoi dans les villes anciennes, ils faisaient quoi? Lorsqu'on construisait les grandes murailles qui protégeaient la ville, il y avait dans chaque coin ou dans plusieurs coins des watchers, ou encore des grandes tours qu'on appelait des tours de contrôle. Et sur ces tours, il s'est placé des sentinelles, des gens qui observaient autour. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de venir? Parce que quand il y a des sentinelles, on ne peut pas nous surprendre. Pourquoi la Bible dit que le jour du Seigneur sera comme un voleur? Quand il viendra, ça sera comme un voleur. Il ne parle, d'abord, Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, il parle aux païens. Il dit que lorsque le Fils de l'homme reviendra, il sera comme un voleur parce qu'ils sont des ténèbres. Mais ils n'ont pas de sentinelles. Alors, Dieu va venir, ils ne vont pas se réaliser, ils ne vont pas voir qu'il est en train de venir. Mais pourquoi maintenant il dit que vous n'êtes pas de ténèbres, mais de la lumière? C'est-à-dire quoi? Que pour nous, Jésus ne peut pas venir comme un voleur. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir des sentinelles. Si l'enlèvement se fait, mais personne n'était vraiment au courant de savoir qu'on est proche, c'est parce qu'il n'y a pas de sentinelles. Aux sentinelles de capter, d'avoir l'intelligence des temps, pour étudier, pour dire, Nicolo, Makamboué, Salema, ça annonce que Jésus revient. C'est aux sentinelles d'appréhender ces choses. Et aux sentinelles d'annoncer à ceux qui sont dans la maison, préparez-vous, car l'époux est en train de venir. Où sont ces sentinelles qui préparent l'église à la rentrée à la maison? Où sont les sentinelles qui préparent l'église, qui étudient et qui disent à l'église, réveillez-vous, ne dormez pas, car l'ennemi est en train de venir, mais Jésus revient bientôt aussi. Il revient bientôt, notre maître. Où sont les sentinelles? Beaucoup d'entre nous, l'un des grands problèmes que nous connaissons dans nos vies, c'est parce qu'on a laissé là où Dieu nous a placés. On doit prier, on doit vraiment prier maintenant. Yes. On doit prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Wherever you are, là où vous nous vous retrouvez, nous allons prier. Nous allons prier. Sachant déjà, l'une des raisons pour laquelle les sentinelles doivent être là, au-delà de préparer l'église, les sentinelles sont des portes spirituelles. Ils représentent des changements des saisons. Et nous sommes déjà en train de changer de saison dans l'église du Congo. L'heure est arrivée où Dieu est en train d'emmener un autre vent, une autre vague de l'esprit, qui va établir l'église dans la révélation de la personne de Jésus. Nous allons encore redécouvrir la personne de Jésus. Dans le monde entier d'ailleurs, mais particulièrement dans la francophonie, il y a une vague qui est en train de venir. Nous sommes en train de redécouvrir la personne de Jésus. Voilà pourquoi dans nos écoles de l'esprit, nous allons que partager sur le sujet de la personne de Jésus. Nous allons pénétrer les profondeurs de la révélation, mais autour de la personne de Jésus, comme des écoles où nous apprenons encore sur cette merveilleuse personne de Jésus. Déjà d'entrée de jeu, ce 2 octobre, nous sommes à Kinshasa
à l'école de l'esprit le 2 octobre 2022. Nous sommes à l'école de l'esprit. 16h30 déjà, on se retrouve à Kinshasa. Plus de détails vous suivront. Mais voilà, donc le 2 octobre, nous sommes là. Nous parlerons de la personne de Jésus. Je sens que le Seigneur est en train de me placer comme une sentinelle afin de montrer aux gens qu'il y a un danger qui vient de ce côté où vous partez. Retournons vers la personne de Jésus. Redécouvrons encore ensemble les mécanismes, la personne de Jésus dans la profondeur. Nous sommes des sentinelles. Nous allons prier pendant une minute ou deux. Je vois dans mon esprit beaucoup de choses. Avec les interruptions, c'est un peu coupé, mais nous allons continuer avec la puissance de l'Éternel. Voilà où vous êtes. Que les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Malada blashadaga. Help me pray, Miri. La lobla de varases. Où sont les sentinelles? Dans ta famille, Dieu t'a placé comme une sentinelle. Il y a une famille que je vois à Bukavu. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'emmène à l'Est. Je suis à Bukavu. C'est une famille d'un pasteur, mais le pasteur est mort il y a 2 ans. C'est une famille qui est à Bukavu. Je vois, vous servez l'Éternel. La majorité d'entre vous servez Dieu. Ce sont des femmes. Je vois des femmes, mais il y a aussi des hommes. Mais je vois aussi que vous êtes mariés. Certains d'entre vous êtes mariés. À Bukavu, je vois un pasteur. Père, son âme, il est décédé, je crois, en 2020. Mais je vois comme le Seigneur veut apporter une visitation pour étendre cette famille. Dieu est en train de me montrer cette famille parce que dans la famille, là, il y a une Jemima. Dans la famille, là, il y a une personne qui s'appelle Jemima. Si quelqu'un est là, manifestez-vous. Je sens l'Esprit de Dieu ici. Je vois une Jemima dans cette famille. Mais je vois quelqu'un d'autre, mais dont le nom commence avec comme un R. Comme un R, mais dans la même famille. La maman s'appelle Isabelle. Votre maman s'appelle Isabelle. Isabelle. Maman est née en octobre. Maman est née en octobre. Maman est née en octobre. La table, les gars. Je vois, maman est née en octobre. Dieu veut visiter cette famille. Je suis à Bukavu. Mais je suis en train de voir de Bukavu un avion qui part au Rwanda, un autre avion qui part comme à Goma ou Lubumbashi, mais toujours à l'est, et puis ça quitte. Parce que je suis en train de voir comme un lien avec l'Europe. Dieu me dit ceci. Celle que je suis en train de chercher, je vois une Jemima dans cette famille. Il y a une onction de Dieu. Dieu veut apporter une restauration. Je vois ceci. Merci Saint-Esprit. Depuis la mort de papa, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas bien marché. Dans le sens où même l'église, même l'œuvre de Dieu, il y a comme la famille a été déstabilisée. Et je vois même que même dans la famille, il y a une qui chante. Et je te vois chanter à l'église, mais tu chantes aussi dans 2 autres groupes de la ville de Bukavu. D'ailleurs, il y a comme un concert dans lequel tu dois prester dans les jours qui arrivent ici. C'est une célébration. Et cette célébration, je vois comme dans l'affiche, il y a comme au-dessus, il y a comme un grand nom comme ça avec beaucoup de couleurs. Mais en bas, je vois beaucoup de gens. Dieu est en train de me dire qu'il y a une visitation. L'esprit de la mort a voulu visiter la famille une deuxième fois. La deuxième fois, c'était par rapport à maman. Je vois maman Isabelle. Je vois qu'elle est née en octobre, particulièrement le 10 ou le 11. Je vois le 11 octobre devant moi. Et je suis en train de me dire qu'il y a comme une main de l'Éternel qui veut préserver. Oh my God. Je vois celle qui chante. Je vois beaucoup de gens servir dans la famille. Dieu me dit, il y a le temps où il veut vraiment vous consoler et arriver.
Parce que je vois que depuis la mort de papa, beaucoup de choses n'étaient pas stables. Et je vois même, d'ailleurs, je suis même en train de voir, comme, voilà, je suis au centre-ville de Bukavu. Je suis en train de partir comme vers la poste, je ne sais pas, je vois comme une grande poste. Et je vois une église dans ce coin-là. Dieu est en train de me dire qu'il y a une forte visitation de Dieu. Un nouveau vent est en train de souffler. Je quitte cette famille. Je quitte cette famille. Je suis maintenant en Suisse. Il y a quelqu'un qui nous suit depuis la Suisse. Il y a quelqu'un qui nous suit depuis la Suisse. Je vois quelqu'un qui a été blessé récemment, fortement à cause d'une personne. Il y a une personne qui te fait pleurer. Je vois en Suisse une personne en train de pleurer à cause d'une personne qui t'a beaucoup fait pleurer. En fait, c'est le papa de tes enfants. Je vois deux enfants. Mais vous n'êtes pas vraiment ensemble. Vous n'êtes pas mariés. Mais il te fait beaucoup souffrir. Dieu me dit, quitte-le. Laisse-le partir cette fois-ci. Parce qu'il a l'habitude de partir, revenir. Il vient de partir il n'y a pas très longtemps. Et tu pries même par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à ça. Dieu me dit, laisse. Dieu me dit, laisse-le partir. Parce que je vois un temps où le Seigneur veut nettoyer ta vie d'une autre manière. Je prie dans le nom de Jésus. Il y a une sentinelle que je suis en train de voir. La soplade gabaha c'était. La tatanongi baasa. Dieu est en train d'élever des sentinelles, des gens qui vont permettre à l'Esprit de Dieu, la blodabli gabaha senega. La sopradiva asolate kamanda. Change de mélodie. Joue de mélodie douce. Ça dérange mon esprit. Kadasa. Soprada hasilade. Il y a des gens qui nous suivent. Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant. Tu es malade, mais tu n'es pas bedridden. Tu n'es pas cloué au lit, mais tu es malade. Tu es empoisonné, mais tu ne sais pas. Je suis en train de parler de quelqu'un. Je suis en train de voir dans mon esprit, depuis que tu es revenu de la fête, une fête d'un des membres de ta, pas des membres de ta famille, mais une personne proche à ta famille. Je vois comme des familles par alliance. Il n'y a pas très longtemps, je vois le mois passé. Toi-même, tu es né le même mois, c'est-à-dire le mois qui vient de passer. Depuis, tu sens que ton corps le dérange beaucoup, tu as été empoisonné. Mais ce n'est pas un poison naturel, c'est un poison spirituel. Mon esprit, oh my God. Et le Seigneur est en train de me montrer, il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre. Je reviens sur cette personne qui est empoisonnée. Fais-toi examiner, mais Dieu va te guérir. N'aie pas peur. Il y a une sentinelle. Il y a une femme que je suis en train de voir dans mon esprit maintenant. Je t'ai le nom. Parce que je vois, mais le cas que je vais expliquer est quand même délicat. Je vois que tu es marié, mais tu as des enfants. Tu voulais un autre enfant, mais tu as fait deux fausses couches. Les fausses couches que tu es en train de faire, dans la famille de ton mari, ils connaissent cette histoire. D'ailleurs, on ne t'aime pas dans ta belle famille. Je t'ai le nom. Tu viens de faire deux fausses couches. Et je suis en train de voir même, tu es à Kinshasa. En fait, en réalité, tu es une sentinelle. Alors que je parle, il y a quelqu'un qui est au Cameroun, particulièrement à Douala. Je suis en train de voir comme une femme à Douala qui est en train de prier pour des enfants. Tu pries pour avoir des enfants. Tu pries parce que c'est comme si ton mariage est menacé. Change de mélodie. C'est comme si ton mariage est menacé. Je ne sais pas, joue dans mi et joue des strings. Je n'arrive pas à capter quelque chose. Voilà, il y a cette personne que je suis en train de voir ici à Kinshasa. Tu es marié, tu as fait deux fausses couches récemment. Tu veux des enfants. Mais le Seigneur est en train de me dire que tu es une sentinelle. La raison pour laquelle le combat de ta belle famille est trop proche de toi, c'est parce que tu as permis
tu t'es permis de dormir, t'endormir spirituellement. Depuis bien longtemps, le Seigneur te réveille. Le Seigneur te pousse à la prière, mais tu négliges. Et si tu ne te lèves pas dans la prière, tu sens en toi le besoin, mais tu es en train d'étouffer ça. Tu perdras un de tes enfants qui est déjà né. Parce que je voyais un grand combat. En fait, il y a eu un acharnement qui... On a décidé d'en finir avec ta famille. Et il faut que tu te lèves en prière. Il faut que tu te lèves en prière. À Douala, je rentre à Douala. Je suis en train de voir à Douala une femme qui a besoin d'un enfant. Mais je vois un ange déposer des bébés, trois bébés. Ce ne sont pas des triplés, mais tu auras trois enfants en l'espace de peu de temps. Dans la famille de cette femme, il y a une Karine, Egwe, quelque chose comme ça. Dieu est en train de me montrer... Il y a des gens parmi nous qui nous suivent, qui sont connectés, dont la grâce de Dieu est en train de localiser. Alors que je suis en train de prier pour toi, je prie que Dieu fasse de toi une vraie sentinelle. Toutes les personnes qui sont des sentinelles, mais qui se sont endormies, et on a échangé ta destinée, ton travail, ton mariage, ta famille, tes finances, par la puissance de Dieu, je suis en train... Oh my God, je suis en train... Je suis au Cameroun, Dieu me permet de dire ceci. Je destitue le premier ministre dans les jours qui arrivent. Le chef du gouvernement, il sera révoqué. Il y aura un grand trouble politique au Cameroun. Il y a un changement. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu venir au Cameroun. Je vois des rassemblements. Dieu me dit qu'il y a des hommes et des femmes qui ont prié sincèrement pour un réveil au Cameroun. Ça commencera par deux choses. Premièrement, je vois le premier ministre destitué, mais deuxièmement, je vois la tête du président. Parce qu'il y a comme un vent nouveau. Oh, merci. Le Seigneur m'emmène maintenant dans les nations. Mais avant cela, à Kinshasa, que ceux qui prient, prient davantage. Parce qu'une vague d'insécurité est en train de venir. Déjà à partir de la fin de ce mois, une très grande vague d'insécurité. On va commencer vraiment à cambrioler les gens. Je vois même un grand supermarché en ville être cambriolé. Ce sont des choses qui arriveront très bientôt. Une insécurité atroce. Et Dieu me dit, prions. L'église, on a prié. Les temps sont mauvais. Je prie au nom de Jésus. Toutes les personnes qui sont des sentinelles. Tu es sentinelle pour ta vie. Sentinelle pour ta famille. Tu sens en toi le fardeau de prier pour les autres. Tu sens que Dieu veut passer par toi pour amorcer un grand mouvement dans ton église. Tu es sentinelle. Tu sens en toi un appel à beaucoup plus prier. À beaucoup plus être seul avec Dieu. Tu es sentinelle. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te saisisse là où tu es. Que Dieu restaure ta vie de prière. La song la giva asola geda. Muriel, help me pray in the name of Jesus. Satalia makonta pila vega. Muriel, help me pray. Ina sok la giva hasedega. There is someone connected to you that is watching us live. I see an accident. Malado gosha adega. Pladovla isalata laga. L'onction de la guérison est en train d'entrer dans vos maisons maintenant. La souso pladigeva astenega. Je vois quelqu'un qui est très malade, allongé, mais qui se lève. Tu nous suis à partir de ton téléphone. C'est un Samsung. Et le numéro de ce téléphone finit avec 447. C'est un Samsung, mais tu n'es pas au Congo. Mais je vois que, oh my God, tu es malade, tu as des douleurs au corps. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Dieu est en train de guérir une femme qui a des tensions. Tu venais à peine de tester ta tension, c'était 17, 15. Mais alors que je suis en train de parler, la tension est en train de baisser. C'est en train de baisser. Oh, je prie, je suis en train de voir quelqu'un. Là, ça, ta, 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 ta. Dans votre famille, quelqu'un est perdu. C'est comme si à Bungi, ça c'est à Kinshasa. On dirait Moutonga Bunga. Vous la cherchez, vous ne la retrouvez pas.
Demain, le lundi, la personne rentre à la maison. Magadada. C'est une jeune femme, je vois. Pas une petite fille, mais une jeune femme. C'est comme si elle a bumbuté. Sopla des gars. Elle est du côté de. Elle est du côté de Lupin. Je vois du côté de Lupin. Gracia. Je dis ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Que Dieu élève les sentinelles dans cette génération. Des hommes et des femmes qui ne seront pas pressés à se faire voir des hommes, mais dans leur avis contraire dans le monde spirituel. À chaque fois que Dieu veut prendre une décision sur un territoire, il consulte les sentinelles. Et il a dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je suis sur le point de faire? Car Abraham était un négociateur. Les sentinelles négocient même les destinées des territoires. Je prie que Dieu fasse de toi une grande sentinelle en ce temps de la fin. Je prie que Dieu fasse de toi une sentinelle, un gérant, un gardien des dimensions spirituelles. Dans ton quartier, dans ton territoire, que rien ne se passe et que tu ne sois pas au courant. Je prie dans le nom de Jésus que la puissance de la guérison entre dans vos maisons. Que les malades soient guéris. Que les maux de tête soient guéris. Que ceux qui ont du mal à marcher marchent au nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes de tension reçoivent la guérison dans le nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes de voir recouvrent vos vues dans le nom de Jésus. Je prie pour une sentinelle. Je prie pour un oh my God, la combra deva isote. Je prie pour un homme de Dieu qui se fatiguait déjà, qui commençait à lâcher. Je prie que l'éternel Dieu des armées te renouvelle au nom de Jésus. Je prie, oh mon Dieu, ne quitte pas cette église. Je parle à une personne qui me suit. Tu es serviteur de Dieu, tu travailles avec un homme de Dieu. Tu sens comme tu fais le roi. Ne quitte pas encore, ce n'est pas le temps. Parce que ce que tu traverses est une préparation. La promotion que tu attends arrivera dans ta communauté. Ma combla de baade. Kaladadada sata. Le tete que les blagava. L'osopragida. Je vois quelqu'un qui est en train de me le suivre, mais tu es en train de conduire. Tu es en train de conduire. Mais tu me suis quand même. Shalamahade gado dologobla ivagade. Ah ma combra giva asolagia. À côté de toi, il y a comme quelqu'un. Oh my God, laisse antala magade. Elle vient même de crier maintenant là que je suis en train de voir parce que vous me suivez live. Le Seigneur de des armées est en train de vous visiter dans votre famille. Je vois comme c'est un couple. Eh my gonda il a pradeva isataliama asegebla divagada. Que les sentinelles soient réveillées. Que si tu expérimentais un moment de sommeil spirituel, que tu vives un réveil dans le nom de Jésus. Que Dieu réveille les églises. Je prie pour les hommes de Dieu dans le monde entier, particulièrement au Congo, dans la francophonie. Recevez la dose de la révélation de Jésus qui vous fera accéder à des grandes dimensions de gestion des dimensions spirituelles. Prie avec moi là où tu es, intercède avec moi une minute. Je sens que le Seigneur est en train de parler. Kalabashata. Kalabrogadega. Kaladabahasede. Kaladalada. Kalesoto lobrogodo. La mort de la reine Elisabeth, je sens dire ça maintenant. La mort de la reine Elisabeth est un message pour nous. Sur trois volets. Premièrement, la reine Elisabeth n'est pas un esprit de commun des mortels. Elle représentait l'église anglicane. Dans le volet spirituel, il y a trois signes que le Seigneur m'a montré par rapport à sa mort. Parce que avant même qu'elle ne puisse mourir, je crois, il y a eu plusieurs prophètes qui ont annoncé sa mort. Pourquoi elle est morte maintenant? Parce qu'il y a une passation qui doit se faire. C'est une dame qui a été de caractère dur et solide. Mais les choses qui doivent se faire nécessitent une coopération de l'église anglicane avec l'église catholique romaine. Alors, il faut que celui qui soit à la tête de l'église anglicane soit un négociateur. Il fallait que la reine puisse partir. La deuxième chose que le Seigneur m'a dit, c'est que pour nous, ça représente beaucoup de choses parce qu'une entité comme elle qui part en ce temps de la fin, malgré ce qu'on peut dire, c'est un signe que les saisons ont changé. Chaque fois qu'il y a un grand esprit qui entre sur la terre ou qui sort de la terre, il y a des manifestations astrales.
soit une étoile, soit le soleil, soit les arcs-en-ciel. Il y a une forte alliance qui sera très publique, une acceptation même du monde des la communauté LGTB par rapport à l'église anglicane. Cette église est en train de s'affaiblir parce qu'ils doivent être en accord et s'unir avec l'église catholique romaine parce que le nouvel ordre mondial est en train d'arriver. L'église catholique romaine qui représente l'empire romain biblique, aujourd'hui c'est la corne qui a été brisée mais qui commence à ressortir. Et ça va unir autour du pape. D'ailleurs, je vois même qu'il y aura beaucoup de changements en Europe à cause de la mort de la reine. Ça a causé des perturbations par rapport au plan dans le monde spirituel. La mort de la reine est un message pour l'Église. Ainsi dit l'Éternel. C'est le temps. La sebla de varas. Kala blada. Makale blade saha. Kala blada sha. C'est le temps de la passation du pouvoir dans le monde spirituel. Avec la reine, beaucoup, vous allez voir, beaucoup des restes. Beaucoup des représentants des communautés dans les dénominations chrétiennes vont mourir avec la reine. Ça va s'en suivre à l'espace des jours et des semaines. Dieu est en train d'élever une autre race d'esprit, une autre race de personnes dans l'église. La dimension avec laquelle nous allons opérer sera même plus l'occultisme. Ça sera autre chose. Parce que si c'est que les gens voient, ils appellent ça l'occultisme. Ce qui vient sera même pas ça. Ça sera peut-être mieux que ça parce que Dieu est en train de répandre une grande grâce dans l'église. Une très grande grâce dans l'église. Jésus-Christ revient très bientôt. Jésus-Christ revient très bientôt. Mes frères, mes sœurs, ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des racontages. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et la venue du Seigneur doit être précédée par des événements que nous sommes en train de voir. Presque tout est déjà mis en place. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut revenir à la révélation de la personne de Jésus. Paul a dit dans Corinthiens, il dit, je désirais connaître que Christ le crucifié. Parce qu'il y a une dimension de révélation de la personne de Jésus qui donnera accès à l'église dans les gloires qu'on n'a jamais connues avant. Revenons à la parole de l'Éternel. C'est le temps d'intercession. C'est le temps où les sentinelles doivent dire la vérité au peuple de Dieu. C'est déjà la nuit. Avant que le matin n'arrive, le Christ reviendra, le Messie viendra. C'est déjà la nuit. Ola tabasata. C'est déjà la nuit. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Je prie pour nous. Alors que nous commençons à atterrir, j'aimerais prier pour une catégorie particulière des personnes qui nous suivent en ligne. Je vois tellement des choses, je ne sais pas à cause du temps. D'ailleurs, pour ceux qui sont à Kinshasa, rendez-vous le 2 octobre. Rendez-vous le 2 octobre. On aura du temps dans la prière, dans la révélation de la parole de Dieu, l'école de l'esprit, le 2 octobre à Kinshasa. Ça sera merveilleux. Nous allons naviguer dans une dimension de la connaissance de Jésus comme jamais. Et le Saint-Esprit va parler, va agir. Les malades seront guéris. Amenez les malades. Des gens qui ne marchent pas bien, amenez les malades. Je sens qu'il y aura... Ce sera comme une session de... comment on appelle? Une session de... Où Dieu va commencer, voilà, des miracles créatifs. Ceux qui n'ont pas de disques, ceux qui n'ont pas d'os, ceux qui n'ont pas... Dieu va créer des choses dans nos corps. Amenez les malades. Ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux. Je sens ça et je vois ça. J'ai fait un voyage, j'ai vu ce qui se passera. Ça sera merveilleux. Ramenez les malades, soyons là.
Et Dieu va beaucoup parler ce jour-là, beaucoup alors, par sa parole et aux individus. Un dernier signe que je donne à l'église, ça c'est par rapport à l'année prochaine. Le Nigeria, ils auront des élections l'année prochaine, je crois, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas. Le Seigneur m'a dit qu'il y a un des candidats très solides qui sera enlevé de la scène. D'une manière, c'est Dieu qui va l'enlever. Celui qui va gagner ne va pas gagner parce qu'il aura beaucoup de votes seulement. Mais il gagnera parce que celui qui sera son adversaire solide sera enlevé de la scène. Vous comprendrez ça. Plus on s'approche de la date, je vous donnerai des détails. Mais je vois deux candidats qui feront beaucoup parler d'eux au Nigeria, mais ils ont des noms de joueurs. L'un, j'ai vu Obi. L'autre, j'ai vu Kanu. Ce n'est pas les mêmes personnes. L'église au Nigeria doit se préparer parce que les chrétiens qui sont au Nigeria, I know a lot of you, some of you follow us online, get ready for what God is about to do in your country. Et pour nous qui sommes dans le monde entier, partout, particulièrement au Congo, à Kinshasa, il y aura beaucoup de choses que Dieu va faire avant la fin de l'année dans l'église. Un nettoyage. Et que ceux qui sont des sentinelles, ceux qui craignent l'Éternel, c'est le temps de le craindre davantage. Parce que beaucoup vont tomber. Beaucoup vont tomber dans l'église. Pas par les mains des ennemis, mais dans les mains de l'Éternel. Je vais parler comme un prophète. J'aimerais prier pour toutes ces personnes qui ressentent leur foi refroidie. Christ a dit à Pierre, le diable a réclamé ta foi et j'ai prié pour toi. Satan réclame notre foi. Dans les derniers jours, la foi de plusieurs se refroidiront. C'est la parole de Dieu. J'aimerais prier pour toi. Tu sens comme si ta foi commence à se refroidir. Laisse que Dieu te donne de revivre encore une foi comme un nouveau-né dans les choses de l'Éternel. Ceux qui aspirent à être utilisés par Dieu en ce temps de la fin, tu sais en toi que tu es appelé à servir Dieu, à faire même plus que ce que nous faisons, le peu que nous faisons. Tu sens que tu es appelé à ces choses. J'aimerais simplement te dire une chose. Reste à ton poste. Ton tour arrive. Reste à ton poste. Nous sommes dans une urgence où Dieu va devoir libérer beaucoup de serviteurs de Dieu et utiliser puissamment plusieurs au-delà de notre consécration. Mais restons à notre poste. Que ta foi soit solidifiée, que tu sois béni de là où tu es et que la présence de Dieu t'accompagne dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ta vie, je bénis ta famille. La semaine qui commence, je la bénis au-devant de toi. Il n'y aura que des bonnes nouvelles en cette semaine dans le nom puissant de Jésus. S'il y a à attendre des promotions, reçois cela. S'il y a des changements qui doivent se faire en ta faveur, reçois ça. S'il y a des paiements, reçois cela. Toi qui me suis, je prie que lundi, mardi, mercredi, jeudi, que le mois de septembre, qui est le 9e mois, le mois où on accouche l'enfant, soit le mois où tu vivras et tu palperas la main de l'Éternel dans ta vie, dans une autre dimension. Je prie pour toi, je bénis ta vie, je bénis ton ministère, je bénis ton église, les églises que Dieu envoie plusieurs anges pour soutenir les églises et pour tenir les hommes de Dieu. Partout dans le monde entier, au Congo, dans la francophonie, en Europe, recevez la visitation de Dieu, un équipement nouveau, un ravitaillement nouveau, quelque chose, un nouveau soutien de la part de l'Éternel. En ce temps de la fin de l'année, que Dieu te préserve de tout fléau dans le nom puissant de Jésus. Je prie que toi qui cherches un travail, je suis en train de déclarer que tu as ce travail dans le nom puissant de Jésus. Toi qui veux voir la main de Dieu dans ce que tu fais déjà, je décrète une semaine de faveur divine où tu vivras et tu marcheras dans une faveur que tu n'as pas créée, que tu n'as pas provoquée. Je prie dans le nom de Jésus. Toi qui as besoin d'une stabilité, d'une paix intérieure, ton cœur est alourdi par la situation de la vie, je prie dans le nom de Jésus que tu reçoives la paix de l'Éternel. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos vies, shalom, que Dieu vous épargne, que Dieu épargne vos familles de la mort, que Dieu épargne vos vies de l'insécurité, que vous soyez préservés dans le nom puissant de Jésus. Je prie comme un sacrificateur de l'Éternel et je bénis ta vie dans le nom puissant de Jésus
Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis abondamment. Merci à vous d'avoir donné votre temps pour nous suivre et prier avec nous. Nous nous retrouverons le 25. Dans deux semaines, dimanche le 25, nous sommes encore ici pour une session d'intercession et du prophétique. Je prendrai plus de temps à prophétiser en ligne parce que je sens dans mon esprit que plusieurs personnes ont besoin de directives en ce temps. Beaucoup de personnes veulent savoir qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Et le live du 25 sera une live de direction divine. Venez avec des cahiers parce que Dieu va vous dire ce que vous devez faire, là où il vous attend et ce dans quoi vous devez vous impliquer. Mais donc, de toutes les façons, contactez-nous par nos réseaux sociaux, sur Facebook, cette page que vous êtes connecté, Kataï Ministries, sur Instagram, David Kataï, cherchez-nous sur Twitter, sur YouTube, vous allez nous trouver partout. Abonnez-vous à nos pages, partagez nos messages, aidez-nous à atteindre un plus grand nombre. Il y a tellement de choses à faire savoir à cette génération, on a besoin de votre aide. Une aide en cliquant sur j'aime, en partageant ce que nous... Tu ne sais pas qui peut regarder ce que nous faisons. Et au-delà de tout ça, on a besoin de votre soutien de tous les domaines. Vos prières sont vivement souhaitées et attendues. Le soutien financier, on a besoin de vous parce qu'on a besoin de garder la qualité. Le 2 octobre, on a une grande activité à Kinshasa. On a besoin de votre soutien pour atteindre un plus grand nombre de gens. Et à la fin de cette année, on aura une session ordinaire que de l'école de guérison. On va prier pour tous les cas des maladies d'une manière particulière. Donc, on va prier pour, oh non, ceux qui ne voient pas, ceux qui ne marchent pas. Ça sera vraiment catégorie par catégorie. Nous voulons apporter le message de la révélation de Jésus dans les nations. Nous voulons que le monde découvre les mystères du royaume. Il y a quelques années, j'ai fait une rencontre avec le Seigneur en vision. Il m'a dit, après la rencontre, il m'a dit, je fais de toi gérant des mystères du royaume. Et il est temps que nous puissions partager ce message aux nations, aux générations. On a besoin de votre soutien. Contactez-nous inbox. Besoin de prières, de conseils, de soutien. Écrivez-nous. Mais besoin aussi de devenir partenaire pour aider notre ministère à aller de l'avant et surtout à atteindre des nations. Écrivez-nous également. Et Dieu ne manquera pas de nous faire beaucoup de bien. Une minute, je vais quand même voir quelques commentaires et commenter. Si vous avez été béni, écrivez « Je suis béni ». Si Dieu vous a parlé d'une manière particulière, si vous avez senti la présence de Dieu, envoyez vos témoignages. Ne laissez pas les témoignages partir. Envoyez vos témoignages, ça va édifier quelqu'un. Si vous pouvez écrire ça dans le live, écrivez ça même sur notre page. Envoyez un message. Écrivez-moi pour ceux qui peuvent le contacter. Nos pages, on va voir vos témoignages. On va les partager pour que quelqu'un soit saisi, que quelqu'un, que sa foi soit édifiée. Et au-delà de tout ça, rendez-vous le 25, dans deux semaines exactement, le live prophétique, ça sera live de direction divine. On va localiser la boussole de Dieu. S'il est à l'est, on sera à l'est. S'il est à l'ouest, on sera à l'ouest. Ça sera chaud. Et le 2 octobre, nous sommes à l'école de l'esprit à Kinshasa. Nous serons vers Itaga, 24, avant d'arriver sur Mouchi. Ça sera des moments, la salle Saint-Denis. En tout cas, ceux qui sont dans les environs, renseignez-vous déjà maintenant comment y arriver. Parce que le 2 octobre, tout chemin mène à la salle Saint-Denis. Et il y aura beaucoup de gens, venez à temps. On va passer des moments merveilleux dans la parole, dans la révélation et dans les miracles, dans le prophétique. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Shalom chez vous à la maison. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit avec vous, sur vous et pour vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et à la prochaine. Shalom. Force et louange. Taladam la santé. Kalasete mahanteli mahazobada. Est-ce qu'on peut prier? On va rendre grâce à Dieu simplement. In the name of Jesus. Father, we thank you for today. We thank you for tonight. We thank you for everything. Receive the praise, receive the honor,
and the glory forever and ever. Alléluia. Merci Seigneur pour tout un chacun d'entre nous en ce lieu. Merci pour Joe, merci pour Jérémy, merci pour Mike, merci pour Espérant, merci pour Arnold, merci pour Neftali, merci pour Mardoché, merci pour Muriel, merci pour ceux-là qui sont avec nous mais pas en présentiel. Je ne sais quoi te dire.